Écoutez, les gars, la chaîne a un problème avec certaines paroles de vos chansons. Ça vous embêterait de les changer? Oh, tu délires, le clown. Eh, hey, ces chansons, c'est nos enfants, alors pas question. Bon, d'accord. Mais à la place de vous me faites gerber, je vous hais, sale pourri. Vous pourriez pas dire, vous me faites rêver, je vous aime pour la vie. Dans le rap, y'a toujours eu des trucs inutiles, comme un featuring, Don Cha, Neg Marron, Pete Bacardi. Mais dans le rap, y'a toujours eu des trucs qui déchirent, comme un featuring, Kazemora, d'où la boussole Buffa. Dans le rap, y'a toujours eu du dommage collatéral parfois. J'essaie même pas de comprendre mes potes, et je leur chie une petite punchline dans les bottes. Parfois j'oublie mes ennemis, loin des yeux, loin du fusil. Quand t'es tout seul, tu deviens ton propre ennemi, et ça devient difficile. Assis dans ma cage à 400 euros par mois, je crache du feu sur un nid de missiles pour faire tourner leur commerce inadmissible. Fallait que l'individu cesse d'être indivisible. Voilà pourquoi j'hésite entre acheter un Kalash ou le dernier Call of Duty, une caisse de grenades ou une boîte à outils. Pourquoi j'écris autant? Parce que vous savez pas ce que je ressens. Puisque je vous le dis, je me bats toujours avec les gens qui me ressemblent. Syndrome du MC qui croit être le seul à dire ce qu'il dit. Fardeau du type qui sait être le seul à penser ce qu'il pense. Je pars toujours du principe que tu seras pas d'accord avec moi. Peut-être parce que quelque part, je fais pas mon son uniquement pour ceux qui kiffent le peur rare et qui s'y complaisent. Comme si gueuler c'était un métier. Je tourne sur des scènes à peine défrayées, dans des squats libertaires, des maisons volées. Et je sais très bien où je mets mes pieds. Bouffe gratos, open barbare, public tougher hardos. Que bon lascar, où personne fait la star, où personne est venu voir du Benabar, où personne a le nez dans son iPhone pour suivre les cours du Nasdaq, où les renseignements généraux viennent montrer leur coupe gominée et leur duffel coat. Parenthèse, pour ceux qui pensent que c'est un fantasme, c'est mal connaître la police politique française. Je suis pas ton héros bouffon, arrête de croire qu'on se croit poursuivi par James Bond. Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Le RG, c'est un gratte-papier bureaucrate qui tape des rapports et les classes. Des anciens flics, des mecs sur le retour qui ont lâché le flingue pour une caméra et une table d'écoute. C'est sûr que si tes actions sont banales, ils vont pas te surveiller. Mais dis-toi que recenser les participants d'un concert à Nard, ça leur coûte que dalle. C'est même leur métier au cas où t'avais pas remarqué. Le pouvoir aime bien savoir sur quoi il met les pieds. Le pouvoir aime bien nous voir comme 60 millions de colis piégés, pour être sûr d'attraper ceux qui exploseront vraiment, pour laisser craquer ceux qui exploseront vainement. Tu peux me traiter de paranoïaque et t'as peut-être raison, mais je m'en tape complètement. Pose-toi la question comme ça, si un pauvre type comme moi l'a pensé, imagine ce que des milliardaires en feraient. En plus d'être du domaine du possible, ça ressemblerait fort à la réalité. Et la réalité, c'est qu'au royaume des aveugles, les bornes sont mis de côté. Au royaume des ignorants, les gens lucides sont ligotés dans des asiles et pins. Qu'est-ce qui devient? Ils l'ont mis sous Valium à Saint-James. Ils voient des conspirations partout, alors qu'en fait, je suis pas là pour me battre contre des concepts, mais contre des gens concrets. Capitalisme est un mot, anticapitalisme en est un autre. Mais Sarko, Hollande sont des ennemis, comme tous les présidents de tous les pays, comme tous les salauds qu'il y a dans le morceau des FLO. Rien n'a changé, le seigneur est toujours dans son château. C'est toujours les paysans contre les vassaux. C'est toujours une élite suréquipée, 10 fourches contre une épée, 10 carabines contre un F2000 vision thermique. Tu te fais écraser comme une termite. Mais bon, plutôt que de vivre pour m'écraser, je préfère me faire écraser pour vivre. Le pouvoir n'est pas à conquérir, il est à détruire. Mais faudra mourir au combat pour mourir libre. Plutôt que de vivre pour m'écraser, je préfère me faire écraser pour vivre. Le pouvoir n'est pas à conquérir, il est à détruire. Mais faudra mourir au combat pour mourir libre. Plutôt que de vivre pour m'écraser, je préfère me faire écraser pour vivre. Le pouvoir n'est pas à conquérir, il est à détruire. Mais faudra mourir au combat pour mourir libre. 1.